Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo soins capillaires. Comme l'indique le titre de la vidéo, il s'agit d'une mousse ultra nourrissante et protectrice pour les pointes sèches et fourchues. Nous savons tous que lorsque les pointes sont sèches et fourchues, il s'agit de cassures dans la kératine du cheveu et il est primordial de s'en occuper rapidement sous peine de les voir remonter le long de la fibre. Bien sûr, la solution la plus radicale et la plus recommandée est de couper la partie abîmée, mais les soins spécifiques peuvent aussi vous aider à préserver vos longueurs. Pour éviter donc le coup de ciseau, le mieux reste encore de chouchouter ses pointes régulièrement avec les bons soins. Je vous propose alors dans cette vidéo la recette d'un soin pour nourrir intensément et protéger vos pointes afin de maintenir le maximum de vos longueurs. Sans plus tarder, on passe à la réalisation. Pour réaliser cette mousse ultra nourrissante et protectrice, on aura besoin du beurre de karité brut, qui est un ingrédient nourrissant et adoucissant. Il est idéal pour assouplir le cheveu. Son action nutritive est particulièrement intéressante pour prévenir les fourches. De l'huile de coco, qui est la star des huiles végétales capillaires, particulièrement fine, elle pénètre la fibre capillaire très facilement pour hydrater, nourrir et détendre le cheveu. Je vais ramollir ces deux ingrédients au bain-marie, à feu doux bien sûr, avant d'ajouter d'autres huiles végétales et actifs. Une fois mon mélange fondu et tiédi, j'incorpore l'huile d'avocat. Elle est la plus riche en acides gras pour renforcer le cheveu et le protéger des agressions extérieures. Elle peut être remplacée par l'huile d'olive qui fait sans doute partie des huiles qui apportent le plus de bienfaits pour les cheveux. Du macérat huileux d'aloe vera, qui est une huile très intéressante et très nourrissante. Elle redonne vitalité aux cheveux secs et cassants, améliore leur brillance et leur souplesse. De l'huile de moutarde, qui est une huile que j'apprécie beaucoup. Son action stimulante fortifie le cheveu et lutte contre sa chute. Cette huile est vraiment top pour les massages crâniens. Et enfin, du macérat huileux d'agrune qui est connu pour rendre les cheveux plus brillants, plus doux et plus souples. Je mélange correctement le tout. Je place le bocal au frigo une dizaine de minutes pour avoir une consistance figée. Je vais battre par la suite ma préparation avec un fouet électrique pour obtenir une crème légère, onctueuse, à texture très aérienne. Sachez que plus longtemps vous battez votre préparation, plus vous aurez une préparation mousseuse, crémeuse, onctueuse et très légère, donc bien aérée. Je bats généralement entre 5 à 10 minutes selon bien sûr la quantité de ma préparation. J'ajoute de la vitamine E qui va éviter que ma mixture rancisse. Et de la provitamine B5 qui est un actif fortifiant et hydratant.
bats à nouveau le tout pour bien incorporer ses actifs. Pour booster votre soin, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle Ylang-Ylang qui favorise la beauté et la brillance des cheveux. Elle est vraiment top pour les cheveux. Voilà la texture finale de notre mousse, elle est lisse et aérienne, tel un nuage, crémeuse, légère et onctueuse. Cette mousse vous permet de retrouver une chevelure soigneuse et venir à bout des fourches et des pointes sèches. Je l'utilise deux fois par semaine pour nourrir et protéger mes pointes. Je peux l'utiliser aussi sur les longueurs pour sceller l'hydratation.